Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Maëva qui s'est effondrée en larmes à l'aéroport en apprenant qu'elle ne pourrait pas partir à la Mecque. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Maëva prépare depuis plusieurs semaines son pèlerinage dans la ville sainte de l'islam. La Marseillaise a offert ce voyage à sa mère pour son anniversaire. Mais hier, à peine arrivée à l'aéroport, les employés de la compagnie aérienne lui ont annoncé qu'il ne restait qu'une seule place dans l'avion pour sa mère. En apprenant ça, Maëva s'est effondrée en larmes. Regardez. Ça y est, mes bébés, je suis prête. Ça y est, c'est le départ. Allez, on y va pour le plus beau voyage de ma vie. Je sais pas si je l'ai bien mis, mes bébés. Hier, on m'avait dit qu'il fallait rentrer dedans et pas faire comme ça. Je sais pas, dites-moi. Je vous aime. Mais vous pouvez pas me croire, là je suis très 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 en retard. À tout moment, oh là, je vous mens pas, je rate l'avion. L'avion il est à 22h10, il faut être 1h30 avant. Je suis grave en retard, je vais serrer, je suis en larmes. Ma mère elle arrive avec les valises et moi j'ai les deux passeports. Et je suis passée, le mec il m'a laissé passer. J'espère qu'ils vont me prendre, j'ai trop peur. Je tremble, ma mère c'est moi, elle vient d'arriver. Je tremble dans le taxi, vous savez comme j'étais pas bien. Je tremble, j'ai trop peur. Elle va me dire maintenant. Aïe. Alors, je peux pas le croire, c'est un truc de fou qui nous arrive. Ils me disent quoi? Nos billets ils sont achetés. Ils nous disent qu'il n'y a qu'une seule place dans l'avion. Je suis en train de péter les plombs. En fait, il n'y a qu'une seule place alors qu'on a acheté nos tickets. Ça veut dire que je peux pas prendre mon avion que ma mère et je sais pas, ils regardaient notre vol. Tu vas pas payer, je sais pas ce qu'ils me racontent, je vais faire une crise de nerfs. Et je comprends pas. Je vous jure, j'ai trop mal au cœur, je sais pas ce qui se passe. Et ils sont en train de voir s'il n'y a pas un autre vol, je sais pas ce qu'ils me racontent, je comprends pas. On a deux tickets, on les a achetés, les deux billets d'avion, pourquoi il n'y a pas. Pourquoi il n'y a qu'une seule place? Je comprends pas, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. J'ai pris un milliard d'avions dans ma vie. Finalement, quelques minutes plus tard, la compagnie aérienne a trouvé une solution et Maëva a pu monter dans l'avion à son grand soulagement. Arrivée à Médine, la candidate de télé-réalité dit adieu à la Maëva d'avant et semble plus sereine et apaisée que jamais. Aïe, mes bébés, c'est bon. Et je vous jure, voilà, voilà, je suis en larmes. Au début, je me suis énervée, je commençais à crier comme une folle. Après, je me suis calmée, j'ai fait une doua. Et le directeur, il est venu et tout, nanana. Et c'est bon, on a le vol qu'on devait avoir. Hamdoulah, wallah, Allah, il m'a exaucé. Hamdoulah, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu trop peur. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cette étoile si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.